Anne-Lise. Bonjour Bob. Vous dirigez les éditions Artemuse, c'est ça, oui. Qui sont vraiment très spécialisées sur le Touquet, oui, très centralisées sur le Touquet. Qui ont été créées au Touquet il y a 25 ans maintenant. Alors justement, j'allais vous demander quelle était un petit peu la genèse de ces... Alors en fait, c'était au départ, on est parti d'un concours de nouvelles, ouais, qu'on a voulu organiser sur le Touquet. Et comme on n'a pas trouvé d'éditeur pour éditer les 10 meilleures nouvelles, eh ben, on a créé une maison d'édition qu'on a appelée Artemuse, du nom d'une librairie d'ailleurs que je tenais à l'époque, qui a fermé maintenant il y a une dizaine d'années, mais j'ai gardé la maison d'édition. 25 ans déjà ? 25 ans. Alors quelle est la ligne éditoriale ? Il y a du polar, il y a du... Alors ce sont des nouvelles. Alors, on donne systématiquement un thème du Touquet. Donc il y a par exemple Suspense et frissons au Touquet, Histoire de famille au Touquet. Celui de cette année s'appelle Désir gourmand au Touquet. Voilà, c'est aussi divers que varié. Et c'est, qu'est-ce que je veux dire, ce sont des nouvelles ou des alors, livres entiers, comment ça fonctionne? Il y a des nouvelles et il y a des romans entiers, effectivement. Ah ok, et ça fait combien de titres là en 25 ans? Ça doit faire une quarantaine de titres. Une quarantaine de titres, oui, donc ça reste quand même assez... Ça reste assez une toute petite maison d'édition. Mais on vous trouve partout? Vous êtes diffusé un petit peu partout? Non, on ne nous trouve pas partout, on nous trouve essentiellement dans la région Nord-Pas-de-Calais et sur notre site internet. Alors, vous allez me donner le nom du site, comme ça on aura toutes les infos. Éditionartemuse.com. Eh ben voilà, on va chercher ça. Merci beaucoup. En tout cas, vous êtes à votre bonne place là, puisqu'on est sur le salon du livre du Touquet. Et je vous souhaite un excellent salon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bob.